Hi. How are you? Nice to meet you. You lost one case again. You just lost. You lost a case. You lost a case today. You just lost a trial today. It's a big fail for you. Again. Once again. Look, he's making fun of us. It's nice. Un procès? Encore. Tu veux venir à Dublin? On utilise cet argent pour aller à Dublin? La grande conférence sur les scientologues. Ça serait bien de payer vos dettes, les gars. En fait, vous voulez connaître le grand secret au T8? Ron Hubbard sera la réincarnation de Bouddha. Ça, c'est une affaire qui roule. C'est bien excellente nouvelle aujourd'hui, puisque l'église de scientologie m'avait intenté un procès pour atteinte à la présomption d'innocence. Donc, ils viennent d'être déboutés. Et en plus, ils sont condamnés à me payer 1 500 € au titre de l'article 700, wow. Plus les frais d'avocat, plus les dépenses. Donc c'est une affaire qui roule. Donc ça va être le deuxième procès que je gagne, donc la deuxième quenelle que je leur mets. Alors j'espère que j'en ai 203. Alors si vous pouvez me refaire un troisième, bah, c'est pas de refus. Surtout que ça commence à 1 500 €, c'est quand même bon. Hein, moi, je crache pas dessus, par les temps qui courent, c'est la crise, etc. Donc, on va se faire une bouffe et tout. Donc, j'aimerais bien qu'ils me payent assez vite. Donc, ils me doivent 1 500 €. Envoyez un chèque. Tu voudrais qu'ils te payent pour pouvoir aller à Dublin ? Lâche un peu l'oseille, ouais, qu'on puisse. Comme ça, on va pouvoir aller à Dublin. On a un raid à faire à Dublin, ça pourrait le financer. Voilà. Nos enfants dans les sectes. Oui, nos enfants dans les sectes. Bon, hein. Évidemment, ils vont peut-être faire appel. Mais enfin, bon, à leur place, je ne ferai pas. Ah, mais ça leur coûtera 3 000 €. Alors, ça va leur coûter un peu plus encore. Moi, j'ai eu moins de chance suite à l'agression l'année précédente. Donc, on s'est présenté devant le tribunal de police. Bon, il y a deux pièces qui sont contradictoires. Monsieur l'agresseur prétend qu'on lui a pas cité tous ses droits lors de son interpellation. Et le deuxième point, moi, mon avocat demande toujours à ce que les 12 jours soient pris en compte. Donc, ils vont demander à un expert. Donc, le procès est renvoyé au 30 mai. Au 30 mai, oui. Au 30 mai. Voilà, et ils étaient prêts à ce que l'avocat, donc Maître Louis Machin, il était d'accord pour que Anonyme Vicieux soit présent comme témoin. D'ailleurs, il semblerait que le témoin ait été suivi par quelqu'un qui l'importunait dans les couloirs. Je vais voir si je peux trouver moi, mes sous. Moi. D'accord, vous allez chercher votre argent. 1 500 € bah oui. 1 500 €. Mais dis donc, t'es riche avec ça, hein. Ça fait combien d'auditions? Vous pouvez leur dire que je me dois 1 500 € depuis parce qu'ils ont été condamnés aujourd'hui. Voilà, j'attends. Ils vont me donner. Attendez dans l'entrée. Non, mais attendez. Attends. Non, reste là. Reste vous pouvez me faire un chèque. Hein. À quel ordre? À Anonyme. Oh, regardez, il y a Ricorou qui est arrivé là. Ah bon? Là, regarde, juste par terre. Ça. Là, ah. Tu le vois pas, il essaie de s'enfuir. Non, j'ai reconnu, c'est Étienne, c'est pas Rico. Ah, c'est Étienne P. Étienne. Ah, ça fait mal hein, pour eux. Hein. Fais gaffe, Mathias, il va encore venir t'agresser comme samedi. On y va? Là, ouais. Vous avez pas lu le journal. Ah, merci. Je peux en avoir un exemplaire parce que je n'ai pas lu. Un pour ta petite cousine. Ah, merci, ouais. Parce et puis un pour ta soeur. Au revoir. À bientôt. On vous aime. Et traînez pas avec le chèque, on en a besoin. On va aller voir vos collègues à Dublin cette fois-ci. Bonsoir. Ah, il arrive. Ah, ça y est, il arrive. Oui, il en a pris parce que ma cousine. Alors, ils me doivent 1 500 €, donc vous pouvez leur dire de me faire un chèque. Ça a été jugé aujourd'hui. Puis s'ils pouvaient me refaire un procès aussi, parce que les temps sont durs, donc 1 500 €, c'est pas mal. En fait, la cassation, ça s'annonce bien ou pas? Et puis dites à vos collègues de Dublin de nous attendre, on va venir leur dire un petit coucou. Alors là, vous avez vu, c'est lui-même qui enlève les trucs. Bah c'est la razzia, lui aussi il aime la lecture. Lui-même il a enlevé les trucs. Fais gaffe, il va porter plainte pour vol. Hein. Bon, on y va? Alors on va y aller. Hein. Levée de victoire? Oui.